Bonjour les amis, alors le jour se lève et aujourd'hui j'ai décidé d'aller rendre visite à mon petit boulanger Christophe. Alors j'étais venue déjà il y a quelques jours, la semaine dernière ça n'avait pas très bien fonctionné. Voilà, alors j'ai choisi le jeudi parce que le jeudi il cuit différemment, beaucoup de pain, plein de pains différents, donc on va aller le voir. Alors j'oublie quand même pas mon petit café du matin, café au moulin. Alors, on y va. Alors, surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. On rentre dans une boulangerie, on va rentrer dans le fournil. Alors, je mets mon masque. Je viens de me laver les mains, donc je vais mettre mes gants. Voilà, et on va y aller. Alors, je vais appeler Christophe. Le boulanger ? Où est le boulanger ? Bonjour. À droite, à gauche ? Dans le fournil. Alors, avant de pénétrer dans le fournil, je me suis bien équipée. Ouais, aussi. Le masque. Et je vais mettre mes gants. J'arrive. Comment tu vas, Christophe? La nuit? Est-ce que la nuit a été courte? Ou longue? Petit pain au chocolat. Des chaussons de pommes. Des pains au raisin. Alors, je vais parler peut-être un peu plus fort parce que je ne sais pas si on entend avec le masque. Voilà. Le pain, oh, j'arrive au bon moment, je me dépêche. Alors Christophe, comment s'est passée ta nuit? Courte? Ouais, comme d'hab, comme d'habitude. Dis, tu peux m'expliquer un petit peu tout ce que tu sors comme pain? Pas facile hein, de bosser avec des masques. Hein. Alors, c'est que du pain de campagne, ça c'est des louisettes. La louisette, oui, qui est toujours qui est différente. Hein, avec, elle est faite avec quoi la louisette? Du blé 100% produit en Lozère, ouais. En culture raisonnée. Oui. Je sais pas si on m'entend. Donc, si on t'entend, mais c'est bon. On t'entend, oui. Enfin, du moins moi. Voilà. Je m'éloigne parce qu'il faut. Des baguettes? Oui. Là, il y a le seigle. Je vais essayer de m'approcher ces petits seigles. Je ne veux pas faire fondre mon téléphone. Oh. Regardez, pas de seigle, c'est plein de petites boules. Mais dis-moi, tu fais bien du pain aujourd'hui? On n'est pas nombreux à la Malène en ce moment. Eh ben, aujourd'hui, il y a la livraison habituelle de Chanac. Et en plus, il y a la livraison de la MAP. Ah. Ah oui, la, map des, que... la map Cossé-Gorge à Mostuijoul. C'est vrai que vous l'avez monté, c'est la première année? C'est ouais, depuis la mi-septembre. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Là, on avait fait une petite interruption de 3 semaines, enfin un mois même. Oui. Et puis on reprend, mais en organisant différemment. Ouais, c'est sympa ça. Je pense qu'ils vont être heureux de te retrouver. Avec tout ce bon pain. Ouais. Et tout n'est pas au four, puisqu'à côté de toi, il y en a qui sont... Oh, attends. J'ai le droit de lever sans que ça traumatise trop la pâte. Ouais, vas-y. Attends, voyons. Et ça, c'est les petits pains de... c'est les boules, là, que tu as mis à cuire, là, au-dessus, là? Non. C'est pas les mêmes, hein. C'est ce qui est là. D'accord. Mais dis, elle est plus foncée cette pâte. C'est du blé ancien. Ah, c'est pour ça que la coupe. C'est des boules de méjanette. La méjanette. La première plaque. La méjanette, oui. Les deux du dessus, c'est ça, là, c'est du blé ancien. D'accord. La méjanette, c'est parce que c'est toute la farine vient du cause du moulin d'Abori. Voilà. Voilà. Et t'as même fait, je vois, des... alors toi, tu dis foie sous fougasse, des foisses. Des foisses avec la farine du moulin d'Abori aussi. Oh là là, ouais. Je pense que tu vas être attendu et ils vont être heureux de te retrouver. Voilà. Et quoi, ça c'est pour la map aussi.
Les foisses aussi, ça part aussi pour, ouais, pour la map. Pour la map. Ouais. Donc finalement, le jeudi, actuellement, c'est ta plus grosse journée. Voilà, où tu cuis le plus, on va dire. Où tu cuis le plus. Ouais. Voilà. Ouais. En ce moment. C'est trop beau tout ce pain. Dis donc, je suis arrivée au bon moment. Hein. Ouais. Donc là, c'est le campagne. Ouais, ouais. Là, du coup, je m'approche tout en. Attends, je peux me prendre un coup de. Comment tu l'appelles? C'est une pelle? Ça, c'est oui, une pelle? La une pelle, pelle, la pelle. Ouais, je vais me prendre un coup de pelle dès le matin. Bon, je suis quand même. Je suis plus en sécurité ici que quand je monte escalader un petit peu autour. Mais là, j'avais fait. Il m'en restait de la pâte, donc. Ça, c'est pour aller à Chanac pour que les gens puissent goûter. Manu leur fera goûter. C'est laquelle cette c'est, ça, c'est du blé ancien. Oui, bon, d'habitude, ah, oui. Je fais en boule, mais comme là, il restait un peu. Oui, ça perd. Voilà, comme ça, et il pourra la faire. Goûter, c'est plus commode. Il pourra faire découvrir cette. Voilà. Le blé ancien, donc. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas goûter des bons produits. Hein. Oui. Bon, mais ça, je pense qu'ils doivent s'en douter. Hein. On a une bonne réputation, hein, les Lozériens. On aime les bonnes choses. Et puis ça peut s'accompagner, mon Dieu, une belle tartine de pain là. Alors ceux qui sont en train de déjeuner, alors c'est vrai que c'est un petit peu, je suis là un petit peu plus tôt que d'habitude, mais quand on veut venir voir le boulanger, ben, ma foi, il travaille la nuit et il dort un peu le jour. C'est ça, hein? Un peu. Ouais. Un peu le jour. Voilà. Donc si on a envie de voir du bon pain et de profiter, parce que moi j'ai des odeurs, hein, et il y a, vous n'entendez pas, mais le pain il fait des petits bruits. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'entendre. On dit qu'il il parle, chante, il chante le il pain. Il chante le pain. Mais oui, hein, on l'entend un petit peu craquer. Ouais. Regarde-moi cette croûte. Hein. Ça c'est les boules de campagne. Hein. Voilà, ça j'y suis. Voilà. Ah oui, organisons-nous. Du coup, tout de suite, ça marque mieux. Il est beau ton pain. Il y en a qui aiment ces croûtes comme ça, croustillantes. Ouais. Donc la Louisette. Voilà. La Méjanette. Il y en a des plus cuites et des moins cuites. Des moins cuites. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Et là, il faut attendre encore un petit peu. Il y a la Méjanette en baguette. Et des boules de Méjanette aussi, puis bon, le reste, comme c'est pour la main, je le cuirai après. Et là, donc c'est Mimi qui va venir pour aller livrer Chanac. Pour aller livrer Chanac, ouais. Voilà. Là, t'es quoi? T'es à la bourre ou t'es dans les temps? Non, c'est bon. C'est bon? Parce qu'il reste du pain en fournée, mais comme c'est pour cet après-midi à la map. Oui, oui, pour qu'ils aient le pain croustillant, pareil, et bien, bien frais. Après, en fonction de la quantité de travail, je commence plus ou moins tôt. Ouais, oui. Et à quelle heure t'es venu aujourd'hui? Ah, aujourd'hui c'était 3h moins le quart. Oui. Ouais. Bah dis donc, c'était une sacrée journée. 3h voilà. Moins le quart. Et t'iras. Et là t'en es quoi? T'as fait petit déjeuner. Tu vas faire ton petit déjeuner maintenant, là, t'as fait ta journée. Ah, quand ça sera au fournée, oui, je déjeunerai. Ah oui, donc c'est pas encore. Je vais fourner vers 7h15, donc voilà, 7h30, pendant que ça cuira, je pourrai déjeuner. Tu pourras déjeuner. Voilà. Bon, ben moi j'ai essayé de gratter un café, mais ça va pas être possible alors. Ah, si. Oui, parce que j'ai bien fait mon café du matin devant la porte, hein, mais bon, ça a été rapide. Hein. Puis je voulais vraiment pas trater. J'ai dit mince, si je rate la sortie du pain du four, attention. Ouais, c'est un métier aussi à risque. Hein. Dis donc, finalement, restons. Ça. C'est de l'ancien. Bon, c'est pas trop adapté à faire des baguettes. Oui, mais pourquoi pas. On malmène la pâte un peu trop. Ah oui, tu la travailles trop, c'est ça? Ben, du coup, elle a du mal à redémarrer. Ouais. En boule, là. En boule, il est beau, hein, celui-là. Ouais. Tu sais, on pourrait faire des, tu sais, des pains garnis, ces boules. Oui, des. Pains surprise. Des pains surprise. Des pains surprise. Ouais. Une bonne idée. L'autre jour. J'avais expliqué que quand je faisais ma balade gourmande en canoë, que tu me faisais un énorme pain. Et que le pain, je ne sais plus comment tu... Il fait 80
quasiment la longueur du tapis. Ouais, voilà. J'en fais aussi pour des mariages, des fois ouais. il y a encore plus de monde et du coup... Ça, c'est des pains de combien de kilos déjà? Plus de 10 kilos, non? Ouais, entre 10 et 15 kilos. Quoi. Et tu utilises quelle farine là du coup? Ouais, la farine, en général pas la campagne. La pas farine, la campagne, oui. Non, la farine blanche. Mais ouais, mais là, il est quand même... blanche, elle n'est pas tout à fait blanche. Il est sympa ce pain parce que ce pain a toujours une belle croûte et c'est ce qu'apprécie, je vois, généralement les clients sont contents. Oh. Voilà. Pas de pain au maïs aujourd'hui. Si. Ah bon? Oui. Je ne l'ai pas vu. Ah ben non. Mais quand même. Il n'est pas cuit. Si. Il est... Bah dis. Bah, y a des baguettes. Dis donc, t'as oublié de m'en parler. Baguette de maïs. Ah mais aussi il fait du pain. Ouais, alors ce et pain voilà, au maïs. Les boules de maïs. Excellent. Ça c'est pour le magasin, c'est des commandes. Voilà. Et puis après du pain blanc. Déjà les clients. Non, c'est Mimi. C'est Mimi, notre Mimi. C'est le livreur. Ah bonjour Mimi. T'as vu, on est équipé, hein. T'es prête pour les livraisons? T'es dans les temps? Oui, ça va. Je me suis permis. Ce matin, je me suis dit, je vais aller voir Christophe. Et finalement, je suis arrivée au bon moment, Mimi, tu vois. Juste, il sortait le pain du four. Et j'essaye maintenant de gratter un café. Mais je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Là, je l'ai pris un petit peu de cours, là. Et encore, il est finalement pas en retard aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pardon, mais comme d'habitude, t'es pas en retard. Si j'ai une panne de réveil... Et oui, et comment on fait quand il y a des pannes de réveil? Eh ben, c'est compliqué parce que comme il y a beaucoup de travail dans la nuit, en direct, pour façonner le pain... Ouais. Oui. Ouais. Tu peux pas dire, ops, je te parle plus, tu comptes. Ça c'est Chanac. Ouais. Tu livres où? Où c'est qui part à Chanac? Tu l'amènes chez qui ton pain? Alors à Chanac, c'est un. On livre. Excusez-moi, je vais pousser un peu le masque. Parce que, ouais, oui. À Chanac, on livre l'épicerie fine, la halle du Planaguet, rue du Planaguet. C'est la ouais. rue montante au départ de la place du Triadou qui monte vers les écoles. Ouais. Et c'est chez Manu Martinez, voilà, d'accord. Qui vend beaucoup de produits de Lozère, beaucoup de produits en direct des producteurs. Et toi, ton pain, il est tout à fait... Eh bien, voilà, lui, il la... bon, y avait une boulangerie qui a fermé il y a 2 ans. Donc, il nous a contacté pour faire des pots de pain. Et ma foi, comme les clients ont l'air d'apprécier depuis 2 ans maintenant, on continue. Ouais, mais écoute... On comprend. Mais on veut bien te partager. Hein. Mais tu es quand même mal aîné. Hein? Oui. Mais on te partage. On est sympa. Voilà. Hein. Voilà, mais écoutez. Aujourd'hui, c'était mon petit mot du jour. Vous voyez, je vais le laisser travailler, Christophe, parce que hein, il doit préparer ses commandes. Et je ne veux pas lui faire des petites bêtises. Les clients ne seraient pas très contents. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, un gros bisou aux soignants et à tous les gens qui travaillent, hein, parce qu'il y a aussi plein de monde, aux boulangers. Le bonjour à tous les boulangers de Lozère et de Navarre. Voilà, belle journée à vous tous et surtout, restez chez vous.